Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le studio de Medex. Aujourd'hui, j'ai 5 conseils pour vous pour réussir votre dégradé. Restez jusqu'à la fin car chaque conseil compte pour avoir un dégradé à la perfection. Du moins, c'est ce que vous pensez. Parce que la première fois, c'est jamais la meilleure. Sans plus tarder, let's go. Dédicace à tous mes abonnés qui prennent le temps de liker mes vidéos. Vous êtes les meilleurs, je vous aime. Love you guys. Conseil numéro 1. Il faut que tu comprennes le concept du dégradé. Et oui, je roule les R. Comprendre. Comment expliquer ça? En fait, quand les gens veulent se coiffer tout seul, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller sur YouTube et taper comment se coiffer tout seul, comment se dégrader tout seul, comment faire ses cheveux soi-même. Moi, je trouve que c'est une erreur à faire. À ne pas faire. À ne pas faire, les amis. À ne pas faire. Ne cherchez pas les gens qui vont vous montrer comment vous dégrader tout seul, mais cherchez plutôt les gens qui vont vous montrer comment dégrader tout court. Donc, tu tapes comment dégrader et là, tu vas trouver plein de tutoriels des gens qui vous montrent comment dégrader quelqu'un d'autre. Donc, moi, par exemple, je suis un coiffeur, je vous montre comment coiffer quelqu'un d'autre. Quand je me coiffe tout seul, je suis incapable d'expliquer, presque incapable d'expliquer ce que je fais parce que là, je trouve des raccourcis. En fait, je me débrouille de mon mieux pour me coiffer tout seul. C'est un peu difficile à expliquer. Mais par contre, quand je coiffe quelqu'un d'autre et que je filme, c'est plus facile pour moi d'expliquer ce que je fais et de suivre les étapes par étapes. Et quand je me coiffe tout seul, je ne suis pas étape par étape. C'est dur d'expliquer à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne sait pas coiffer, comment le faire. Une fois que tu as capté comment fonctionne le dégradé, donc tu crées la première ligne, tu crées la deuxième ligne, tu effaces la première ligne, etc., etc. Là, maintenant, tu peux aller regarder les self-codes, histoire de juste prendre un peu des connaissances de ces gens-là et de mélanger avec le concept du dégradé et de pouvoir faire un dégradé. Maintenant qu'on a fini, t'as compris le concept, t'es devenu un master. En théorie, hein? En théorie, t'es devenu bon. Tu vas comprendre que la théorie et la pratique, c'est vraiment différent, mon gars. Vraiment très différent. Je te jure. Sur la tête de mon chat. Conseil numéro 2. Avoir tout le matériel nécessaire. Je dis bien nécessaire. Pour accomplir le dégradé, il faut que tu aies une tondeuse pour dégrader avec un levier, une tondeuse pour les contours, des sabots nécessaires. Donc les sabots 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm. Oh. Bon, après 6 mm, les autres sabots, si vous en avez besoin, vous pouvez les avoir. Normalement, ça vient avec. Normalement, ça vient avec. C'est sûr qu'il y a moyen de s'en sortir sans avoir tous ces sabots. Mais croyez-moi, vous allez vous faciliter la vie en ayant tout ça. Surtout, bah en fait, les gens me demandent souvent, est-ce qu'il y a moyen de faire un dégradé sans le 1.5 mm et les 4.5 mm? Parce que ces sabots-là ne viennent pas souvent avec les tondeuses quand tu les achètes. Oui, il y a moyen de faire un dégradé sans ça. Mais toi, tu es un débutant. Déjà, si tu commences à, à jouer avec les techniques avancées, ça va être un peu chaud. Donc, si tu as commandé ta tondeuse et que ce n'est pas venu avec le 1.5 mm et les 4.5 mm, c'est pas grave. Va sur Amazon, commande séparément et puis sois patient, ça va venir et tu auras ta coupe. Voilà, pourquoi être pressé? Un autre truc à voir, c'est le miroir. En fait, deux miroirs, au moins deux miroirs. Tu as deux options dans tout ça. Soit tu t'achètes un miroir trois faces. Donc, ce miroir va te permettre de voir tout autour de la tête. Ou soit tu as deux miroirs. Donc, soit un devant, un derrière pour regarder justement le derrière de ta tête. Vous voyez? Si vous optez pour le miroir à trois faces, ça tombe bien. J'ai un code promo pour vous les gars. Medex 10. Donc, je mettrai les liens dans la description, comme toujours, en bas. Bah, sinon, dans votre douche, vous avez déjà un miroir. Vous pouvez vous acheter un autre miroir comme ça. Voilà. Ça fait l'affaire. Troisième conseil, baissez vos attentes. En fait, je crois que tout le monde est coupable, y compris moi. Moi-même, quand j'ai commencé de me coiffer tout seul avant, la toute première fois que je me suis coiffé, je me suis donné un dégradé. Je me suis imaginé déjà avoir une très belle coupe, tu vois, comme mon barbier en fait. Comme ce que mon barbier me donnait. En fait, mon barbier, c'était mon père, donc c'est un peu facile à battre. Mais même à ça, j'ai foiré. Le fait de croire ton premier self-cut va être la meilleure des coupes que tu t'es donné à toi-même, c'est erreur. Imagine le petit qui commence à vouloir marcher là, le bébé là. Il dit bon, dès que je veux me lever, je commençais à courir. Non, mon gars, le petit va se lever, il va tomber. Boum. Il va encore se lever, il va tomber. Il va dire merde. Non, mais il va se pratiquer, un jour, il va pouvoir marcher, courir, faire du vélo et tout. Donc,
C'est la même chose avec toi. Prends ton temps, fais-le. Il y a de fortes chances que tu foires. Ouais, c'est ça. Il y a de fortes chances que tu foires. Mais c'est pas un échec. C'est pas un échec. C'est juste un échec si tu abandonnes. Si tu prends ça comme leçon, tu vas t'améliorer au fur et à mesure que tu te coiffes 1, 2, 3, 4 fois. Un jour, tu vas te coiffer comme moi. Quatrième conseil, prends ton temps. En gros, mon gars, ne commence jamais, jamais un self-code si tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps, fais rien. Attends d'avoir le temps et puis là, tu peux passer à l'action. Normalement, quand c'est ta première fois, un bon self-code doit prendre au moins minimum une heure et demie. Je crois même une heure et demie parce que quand c'est ta première fois, tu dois prendre le temps de faire toutes les étapes. Donc, même la première ligne, là, créer juste la première ligne peut te prendre 10 minutes pour que ça soit bien droit. Parce que une bonne ligne directrice égale un bon dégradé. Je crois que le gros problème, c'est quand les appareils surchauffent. Donc là, tu peux même attendre 30 minutes. Tu laisses ta tondeuse à côté. Tu te reposes. Tu regardes la télé. Ça peut même t'aider, en fait. Ça peut juste que t'aider. Tu laisses tes yeux voir autre chose. Et après, quand tu reviens avec de la force, là, c'est fort. Il n'y a pas vraiment de problème à faire des pauses. C'est même conseillé, en fait. Donc, 20 minutes, 5 minutes de pause, tu te relaxes et tout, tu t'étires parce que c'est un sport, c'est coiffé tout seul, mon gars. C'est un grand sport. Et c'est pas un sprint, c'est un marathon, mon gars. Donc, prends ton temps. Vous avez compris. Donc, dernier conseil, mon gars. Dernier conseil. Un minimum de flexibilité, les gars. Hein, si t'es pas capable de toucher ton nez, il y a un gros problème. Vous voyez les gars musclés, là, tellement que le biceps est gros, ça empêche de, tu vois, ça empêche de toucher le nez, là. Hein, t'arrives même pas à te gratter le dos, mon gars. Oublie le self-coat, mon gars, parce que ça te prend un minimum de flexibilité. Donc, juste rejoindre ici, tu vois. Ça prend de la flexibilité, les gars. Si t'es pas capable de faire ça, bon, tu peux t'en tenir à des tapers devant ici. Mais pourquoi être limité? Va faire un cours de yoga, mon gars. Un petit bonus là. Un petit truc pour vous là. Un petit conseil de plus. Mon gars, la pratique. Pratiquer, c'est la clé dans tout. Tout. T'as pratiqué à parler. T'as pratiqué à marcher. T'as pratiqué à marcher. Pratiquer à conduire et t'es devenu bon. Même manger, hein, t'as pratiqué à manger. C'était pas évident quand t'étais petit. Quoi d'autre? Pratiquer à bien dormir. Moi, je suis un grand dormeur. J'ai pratiqué grave. Mais là, en ce moment, oui, je dors facilement 10 heures minimum. C'est de la pratique. Donc, quand tu te pratiques, tu deviens bon. C'est évident. Donc, ça peut être... Tu peux te pratiquer dans les mauvaises choses aussi. Hein. Tu peux devenir bon dans les mauvaises choses. Donc, si tu te pratiques dans les mauvaises choses, tu vas devenir bon là-dedans. Donc, si tu te pratiques à voler, tu vas devenir un voleur professionnel. Hein, tu te pratiques à tuer, bah, tu vas devenir un criminel recherché partout dans le monde. Donc, la pratique, mon gars, c'est la clé. Donc, les gars, si tu fais une fois, ça marche pas, c'est pas un échec. Deux fois, ça marche pas, c'est pas un échec, c'est une leçon. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu apprends. Ça va être... tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez des commentaires, section commentaires ou sinon Instagram, je suis là-bas, abonnez-vous, follow, là-bas c'est un autre monde. Sinon, on se voit à la prochaine. Hein.